2 dans la surface. J'ai pas de sifflet, donc ça sera à la bouche. Laisse-la, Denis. Mets des pots. Allez, Dijon, allez. Nous, pour vous résumer donc l'histoire du foot fauteuil à Dijon, il est né que ma fille et Abdou, donc, qui sont là tous les deux, jouaient au foot dans la cour du Clos Chauveau où ils sont en internat. Et ben, ils n'y arrivaient pas, les ballons ça se coinçait sous les cale-pieds, ils n'arrivaient pas à contrôler puisqu'il n'y avait rien, il n'y avait que leur cale-pied justement pour contrôler, c'était impossible. Et ils étaient super tristes. Et ça m'a énervée, donc, parce que bon, en tant que maman, je me suis dit c'est pas normal, quoi. Il existe plein de choses, pourquoi pas pour eux, quoi, parce qu'eux ils sont très lourdement handicapés, ils ne peuvent pas faire du basket qui existait déjà, parce qu'ils n'ont pas la mobilité de leurs bras, enfin plein de petits détails comme ça. Et puis, face à ma colère, j'ai été invitée à aller à Chalon-sur-Saône, qui avait déjà une équipe de foot fauteuil. Donc depuis 2 ans, eux, ils étaient déjà existants. Et là-bas, j'ai vu nos gamins transformés au niveau du sourire. Nous, ils sont toujours un petit peu repliés sur eux-mêmes. Là, ils sont ouverts, ils ont souri, ils ont eu plein de lumière dans les yeux. J'ai dit, allez hop, je rentre, je fais une association. Et voilà comment est né le foot fauteuil à Dijon. À la base, moi, je suis partie toute seule avec mes copines. Donc, on est parti comme ça, mais en fait, les portes restaient beaucoup fermées. On n'avait pas le droit aux subventions parce qu'on était très jeunes. Enfin, il n'y avait rien qui s'ouvrait devant nous. On n'était pas pris au sérieux du tout. Et puis, Déborah étant très assidue au DFCO, on fait tous les matchs de pro. Donc, elle était déjà bien connue. Et puis, j'ai été au culot et je suis allée voir Olivier Delcourt et j'ai demandé s'il pouvait nous soutenir. Et ils nous ont très généreusement prêté leur nom. Ah ben là, ça y est, là, c'est mon accouchement perso. non, mais je blague, mais aujourd'hui, vraiment, ça y est, ça marche, quoi. C'est ça. Eux, ils sont super heureux et voilà, moi, ça pouvait qu'être bon pour moi. Et on veut être champion de France. Non, mais c'est pas les miens, c'est ceux de mes joueurs. Ils veulent grandir, ils veulent vraiment monter. Eux, c'est leur ambition, vraiment, ils veulent devenir champions, quoi. Puisque Chalon a déjà 2 joueurs qui font partie de l'équipe de France. Donc, c'est un petit peu les conflits, parce qu'il faut savoir que sans Chalon, il n'y aurait pas le foot fauteuil à Dijon. Parce qu'ils m'ont vraiment donné la main depuis le début, ils m'ont aidé, ils sont venus à Dijon faire des entraînements, ils nous ont prêté le matériel. Enfin, vraiment, sans eux, on ne partait pas. Et au début, Déborah, donc ma fille, jouait à Chalon. Et puis, jusqu'à ce qu'à Dijon, on réussisse à monter un peu, qu'on ait une salle qui ait plein de choses. Donc on a joué à Chalon au départ. Voilà, alors on est avec Sarah et Aubry qui sont animés. Je suis donc le défenseur professionnel. Et en fait, un jour, on nous a annoncé qu'il y avait du foot fauteuil qui existait. Donc on a été voir donc, à Chalon. Et franchement, quand on a vu ça, on s'est dit, je me suis dit, c'est pas possible, je vais en faire. Alors pourquoi t'aimes jouer au ballon? Parce que c'est la vitesse en fait des fauteuils qui fait plaisir et on a l'impression de jouer comme les vrais pros. Et parce que c'est des fauteuils différents que normaux? Oui, parce que ceux-là ils vont à 15 km/h environ et les nôtres ils vont à 10 km/h. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut comme technique pour pouvoir jouer? Eh ben il faut de la technique en effet. Il faut savoir contrôler son ballon, savoir faire des passes comme il faut, savoir gérer la vitesse de son fauteuil. Et du coup, c'est un peu un sport de glisse sur le terrain, tu peux glisser un peu non, avec le fauteuil? Ça dépend, oui. Quand on fait pas attention, ouais. Faut vraiment savoir contrôler son fauteuil. Alors oui, j'ai été accosté à la fin d'un match par Angélique, la présidente du club. Et ils m'ont demandé de venir à des représentations, ce que j'ai accepté. Et étant donné que je les suivais au fur et à mesure, elle m'a demandé un jour si je voulais être le parrain. Et c'est avec une immense joie que j'ai accepté. Bah on voit que
même avec un handicap, on peut prendre du plaisir sur un terrain de foot. Et je pense que eux, c'est un rêve de... Ils auraient aimé faire du foot comme nous. Et donc, le faire malgré le handicap, je pense que c'est vraiment important et c'est bien pour eux. Ça reste du football, même si on est en fauteuil. Après, c'est un peu plus dur à se mettre déjà régler la vitesse, bien manier le fauteuil. La conduite avec le ballon aussi est différente, mais après, ça reste un sport d'équipe et on retrouve des valeurs, les mêmes valeurs que dans le foot, quoi.